안녕하세요 여러분, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo unboxing slash déballage de l'album Dear de A-Pink, qui arrive au final juste après celle de l'album Pink Love, parce que figurez-vous que, alors en fait je vous explique, j'avais tourné la vidéo Pink Love une semaine avant qu'elle sorte, car je suis parti après à la mer, j'avais pas le temps de la mettre en ligne. Et du coup, une semaine après l'album Pink Love, l'album Dear est arrivé. Du coup, sur YouTube, ça fait comme si j'avais sorti la vidéo le même jour ou le lendemain. Mais il est arrivé quand même une semaine après. Mais il est quand même arrivé le 15 juillet, donc mi-juillet, comme j'avais dit, mi-juillet, fin août. Non, j'avais dit plutôt fin juillet, début août. Il est arrivé au final mi-juillet. Donc, on va pas s'en plaindre. On va tout de suite l'ouvrir. Donc, je l'ai commandé sur le site K-Pop Town, que vous devez sûrement connaître. C'est là où j'ai commandé aussi le DVD Pink Island. Donc ça vient de Daegu Mail Center, Korea Post. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est la poste qui fait ça, petit paquet import, ok. D'accord. On va ouvrir ça tout de suite. Donc là, pareil, déballage du début à la fin. On ouvre et je découvre avec vous. Alors je sais pas quelle version de l'album c'est, si c'est la version noire ou la version blanche de Dear. Ça m'est égal, la version, franchement, ça se passe toujours bien pour moi. Donc on va tout de suite voir, et puis ce qu'il y a dedans aussi, bien sûr. L'album Dear, donc, qui était sorti en décembre 2016, les A-Pink avaient décidé de sortir cet album, qui n'est pas en fait un album ni un mini-album, mais plutôt un spécial album, comme elles l'ont appelé, car il y a, par exemple, une version balade de No 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 et de Love, mais aussi une version R&B de Only One, Negasanel Suisuke. Donc, voilà. Oh mon dieu. Alors là, je suis content. Je suis content parce que j'ai la version blanche que j'espérais avoir secrètement. Je disais rien, parce que je dis, quand même, je vais être déçu si je leur dis, ouais, j'attends la version blanche. Mais regardez, je vois que c'est... Ah, ça bouge à l'intérieur. J'espère encore une fois avoir la photocarte de Bobby. C'est la version blanche. Comme vous le voyez, paf, très joli. La version blanche. Ça aurait pu être la version noire, hein, mais c'est la version blanche. Mais je suis très content au final parce que la version noire, c'est la version que on voit un peu partout quand vous téléchargez les musiques, tout ça. C'est la version noire. Mais là, non, du coup, c'est la version blanche. Donc, très content. C'est parti. Waouh. J'ouvre un peu comme un petit fou, comme mon cadeau de Noël, puisque. Pas oublier qu'à la base les A-Pink ont fait ça comme cadeau de Noël à leur Pink Panda adoré. Qu'est-ce qu'il est magnifique! Qu'est-ce qu'il est magnifique! Wow. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas magnifique, les amis? On dirait Christina Cordula à la fin de son émission. Regardez ça, bam. Derrière la tracklist, les 12 musiques qu'il y a dedans. Donc je vous l'ai dit, Dear en Whisper, donc ça c'était une exclusivité sur le CD, c'est les membres qui chuchotent. J'ai écouté ça, c'est assez rigolo à entendre. La deuxième, Cause Your Master, troisième, Miss You, quatrième, No No No, balade version, cinquième, Negasanel Suisuke, R&B version, sixième, Love, balade version. Après septième, huitième, c'est écrit en coréen, neuvième aussi. C'est sûrement... Ordinary Thing de Naeun et Shorang, Death Spring This Autumn de Eunji et Ayoung, et l'autre qui est de Namjo et Bomi, je n'en peux plus du nom. Il y a aussi l'instrumental de Mr. Chu, de Once Upon a Time il me semble, et de April 19. Voilà, je prononce les noms des musiques à mon style. Je ne sais pas si vous le prononcez comme moi, mais c'est pas grave, c'est pas du tout grave, ne vous en faites pas. Hop, alors, ouvrons ça délicatement, si j'y arrive, super. Alors excusez-moi encore une fois, hein, vous devez avoir l'habitude maintenant, si je sens l'album, je suis pas fou, j'aime bien l'odeur du neuf, peut-être que vous aussi. Ah, il est un peu abîmé quand même là. Ah ouais, ça, c'est un peu dommage. Bon, il vient quand même de Corée. Bon, regardez, il y a un petit peu... abîmé, bon, c'est pas très grave. On va l'ouvrir comme ça, écoutez, du coup, c'est parti.
On l'ouvre, je l'ouvre, je vous montre. Tac. Derrière. Waouh, cette odeur neuve de neuf. Magnifique, tu regardes l'intérieur de l'album, je regarde pas encore ce qu'il y a dedans. Ça sent vraiment super bon. Waouh, mes petites beautés. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles, regardez. Est-ce qu'elles sont pas belles. J'aime beaucoup Chorong cette période. C'était super belle. Enfin toutes, mais... ça sent super bon, ça sent vraiment... Pour une fois, ça sent vraiment l'odeur du neuf. Hop. Je monte la première page. Parce que l'album Love sentait pas trop cette odeur-là. Celui-là, oui. Ça sent vraiment super bon. Excusez-moi. Ça me m'obsède cette odeur. Ça sent bon. Regardez. Super photo. Photobook. On regarde ça tranquillement, plus tard. Les paroles des chansons, comme d'habitude, on a l'habitude de les voir. J'ai une petite lettre. Oh là là. J'ai une petite lettre de Bomi. Super mignonne. Toute mignonne. Et je suis super content, heureux de vous dire que j'ai eu la photocard de notre magnifique leader. The best leader in the K-pop history. Non seulement, pas seulement des girl groups, mais de tous les groupes. Boys band, girls band. Donc voilà, vraiment super content d'avoir cette photocard de Chorong et cette petite lettre de Bomi qui sont mes deux membres préférés dans le groupe. Et mes deux autres membres que j'aime beaucoup aussi, dans ce... enfin je les aime toutes, hein, mais je veux dire, j'en ai vraiment quatre préférés. Désolé pour les fans absolus de NG et de Namjoo, que j'apprécie beaucoup aussi. Mais Nahun et Ayoung aussi, je les apprécie énormément. Regardez-moi ce CD. On dirait pas que je vous présente un CD du style voilà, disque de platine, disque d'or, A-Pink, Dear, tout ça. C'est magnifique. Je suis vraiment content et honoré en fait. Un petit peu honoré d'avoir tout ça. Vraiment. Vraiment, ça fait plaisir. Donc je remets tout et sous l'émotion d'avoir ouvert cet album. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si vous avez trouvé qu'il y a eu quelques petits bugs, quelques petites coupures, c'est parce que mon téléphone a eu du mal à filmer, je sais pas pourquoi. Donc du coup, ça n'a pas été trop évident. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout arrangé au montage, normalement il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et on se retrouve bientôt sur MC K-Pop, c'est Gabriel. Ciao, annyeong.